Un déjeuner au sommet. Ce vendredi 23 juin, Emmanuel Macron a retrouvé Lula da Silva à Paris. Une rencontre organisée en marge du pour un nouveau pacte financier mondial avec le chef d'État brésilien qui voit son image ternir chaque jour un peu plus. Il y a 6 mois, c'était son prédécesseur Jair Bolsonaro qui ne trouvait plus grâce aux yeux de certains dirigeants. En plus de sa politique, ses phrases que faisaient toutes les unes. Parmi elles, ses propos insultants envers Brigitte Macron que Lula da Silva s'était empressé de défendre. Flashback. Alors que de violents incendies avaient lieu en Amazonie, la France et le Brésil se livraient une crise diplomatique à cause de l'inaction gouvernementale face à ce drame. C'est dans ce contexte que Jair Bolsonaro en avait profité pour réagir à un post Facebook en qualifiant l'épouse d'Emmanuel Macron de vraiment moche. Il répondait alors à un commentaire qui était accompagné d'un montage photo du président de la République et de sa femme. Brigitte Macron, ses plus beaux looks de 2022. Une solidarité exprimée envers le couple présidentiel français. L'internaute, qui était visiblement l'un de ses partisans, assurait que le chef de l'État français était jaloux du dirigeant brésilien à cause de sa compagne Michelle, de 27 ans sa cadette. Ne l'humilie pas, mec. Lol, avait lâché avec amusement Jair Bolsonaro, très actif sur les réseaux sociaux. Une réaction qui avait choqué de nombreuses personnes, à commencer par Lula. L'homme politique de 77 ans avait indiqué, dans les colonnes du Monde en septembre 2019, que le commentaire du président brésilien publié un mois plus tôt était d'une grossièreté inouïe et que cela n'a, fait, rien à voir avec le peuple brésilien. Lula da Silva avait également précisé qu'il était solidaire avec Emmanuel Macron après les insultes qui, avaient, été envoyées envers sa femme. Avant de déclarer, « Moi, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec tous les présidents français, de gauche comme de droite. Avec Chirac, Sarkozy et Hollande. » Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Zuma Presse.